Harry Potter 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bah parce qu'on a suivi, on a déjà vu les 4 premiers films, on a lu les 6 premiers tomes et donc bah, on vient voir aussi le 5e. J'aime voir comment ils sont adaptés au cinéma et puis bon voilà, c'est Harry Potter. Et puis ma fille c'est une fan hein, de toute façon puisqu'elle a déjà lu tous les livres qui sont sortis et elle attend le dernier avec impatience. Bah parce que les autres épisodes ils étaient bien et celui-là je pense qu'ils étaient bien aussi. Ça part du retour de Voldemort et du fait que le ministre de la magie ne les croit pas et voilà, puis avoir plein d'aventures. La mort d'un personnage important. Il y a aussi le fait qu'il rentre dans l'adolescence, donc on complexifie un petit peu les choses, ça devient plus sombre. Puis bon, il découvre, je pense, d'autres choses, de choses différentes. Quoi. On attend que ça soit comme les 4 premiers films et que ça soit dans la continuité. C'est pour ça que c'est important que ce soit les mêmes acteurs. Et... Bah, qu'ils soient comme les autres, spectaculaires et divertissants. Des effets spéciaux et des pouvoirs magiques. Là ils vont vraiment résumer le livre et donc on verra bien. À tout à l'heure. Bonne séance. Merci. C'était super bien. C'est très réaliste, enfin non pas réaliste mais collant, ça colle au livre. Et non, c'était vraiment impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Bah, il est un peu plus pour les adultes, on va dire, un peu plus violent quand même. Et un peu moins comique. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, franchement. C'est vrai. Ah oui, franchement. On voit Harry Potter qui embrasse une fille pour la première fois, donc c'est signe qu'ils ont grandi. Que Harry s'est moins mis en valeur, c'est vraiment le groupe qui est mis en valeur. Et bon, bah, y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux aussi. Et, c'est vrai que ça a été assez émouvant, des passages spectaculaires aussi, mais toujours dans la bonne humeur. Et... Les 2 premiers épisodes étaient vraiment plus légers, enfantins, alors que là on commence vraiment à avoir une profondeur au niveau des personnages et bon, avec un passé, enfin c'est plus intéressant. Ce qui serait bien c'est que ça s'arrête aussi à un moment et qu'il y ait vraiment une fin quoi. Parce que là on sent que ça fait un peu feuilleton quand même, 5 ça fait beaucoup. Il y avait des passages émouvants, il y avait des passages aussi où on était vraiment dans l'action. Et voilà, il y avait un peu de tout et c'est vraiment un bon film. Voilà. Merci.